Ce sont des mousquetaires qui ne manient pas que l'épée. Chant, danse et acrobatie, avec en tête de ces preux chevaliers, D'Artagnan, incarné par le Québécois Olivier Dion. D'Artagnan, en fait, c'est le jeune fougueux intrépide, le jeune rêveur qui va un peu contaminer les autres mousquetaires par sa joie de vivre, qui va éventuellement, avec ses camarades, sauver les honneurs de la reine. La reine d'Autriche, sous les traits de la chanteuse Victoria Petrosio, qui vit un amour impossible avec le duc de Buckingham. Je suis en train de me transformer en reine. Donc j'ai notre chef coiffeuse-maquilleuse qui est en train de me mettre la couronne de fonction de reine. Une reine, des mousquetaires, mais pas seulement. Au total, une trentaine d'artistes sur scène pour un spectacle très physique, notamment assuré par le danseur-breaker Brahim Zaibat. Vous pouvez voir ici, il y a mon micro, Athos. On fait un petit check-son là-bas et après on va s'échauffer à l'arrière. Le plus célèbre roman d'Alexandre Dumas, dont le père était métis, semble avoir fait perdurer sa belle devise. C'est très diversifié, il y a des gens qui viennent de partout. On arrive tous à vivre ensemble et le tous pour un, pour tous fonctionne.